pas normal, vous, qu'un super-héros voyage dans un coffre de voiture? Nous, non! C'est un bon truc, c'est quelque chose qui va nous aider dans la vie future et ça va nous apprendre un peu comment ça sera plus tard. Pourquoi t'es là toi Gabriel? Pour découvrir des nouveaux projets. Mmh. Pour aider une association. Mmh. Voilà. T'es motivé? Oui. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Guérin Geoffroy. Je suis étudiant au collège Saint-Joseph de Plescat. Et nous avons fait un vote et nous avons choisi Liam super-héros. Est-ce que vous serez d'accord? C'est moyen. C'est stressé. Liam est atteint d'une maladie génétique très rare, l'encéphalopathie épileptique du gène SCN1A. Il est le seul en France à en souffrir. Nous avons 14 ans et nous avons décidé de créer notre entreprise pour aider l'association Moyen Super-Héros à financer un véhicule adapté pour Liam. Et pour qu'il puisse ainsi voyager avec des passagers et non plus dans le coffre du véhicule de sa mère. Mais on ne rentre pas dans notre entreprise comme on rentre dans une salle de classe. CV papier, CV vidéo, deux lettres de motivation et entretien d'embauche avec des chefs d'entreprise et des représentants du monde du travail. Et ça, c'est moi. Enfin, plutôt mon original caractère. Je souhaite intégrer la mini-entreprise de 3e pour un poste de commercial. Je suis communicant et social, son égalité très importante. De mes expériences, j'ai déjà fait. J'ai dossier régulièrement l'élevage porcin familial. Alimentation. Élève au collège Saint-Joseph depuis 2018, actuellement je suis en 3e. Change de contact avec les clients en assurant le service. Mes qualités, je suis souriant, volontaire, efficace. Une super manière avec le découvert professionnel et Liam. Vous êtes à la recherche d'une commerciale? Je suis la personne qu'il vous faut. Postulat quoi? Commercial? Faut pas stresser, nous dire dans quel état d'esprit tu es. Ah ben je suis bien. T'es bien? Je suis détendu. T'es détendu? Comment vous sentez? Comment tu sens? Comment on se sent? Ouais. Très stressé, mais hâte que ça soit fini. Ouais, voilà. Relâché. Ouais. Ouais, toi Mathieu, tu y es passé alors? Ouais, ben c'est dur. Mais après, quand tu es dedans, ça va. Ouais, c'est au début, comment réagir? C'est d'arriver là-bas. Ouais, c'est le début. Après, et mes cheveux, comment vous trouvez? C'est pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a jamais fait ça, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? Le fait de passer devant un jury. D'accord. Une relation avec deux personnes. Déjà, il faut coopérer, il faut être bien vu. Et il faut parler, communiquer. Est-ce que ça t'y arrive facilement avec d'autres personnes que tu connais pas ou d'autres personnes ça, que... ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Donc, avec deux éléments, quels sont les points forts de cette responsabilité déléguée que tu as mise en œuvre l'année dernière? Et puis deuxièmement, quelle est la principale difficulté que tu as rencontrée et comment tu as pu la résoudre, s'il y en a une? La principale difficulté, je dirais que... Alors commence par la réussite. Ah, c'est toujours mieux commencer par la réussite. Tes impressions? En vrai, ça va. Je pensais à pire. J'étais même pas stressée. C'était étonnant de moi de ne pas être stressée. D'accord. Tu te sens mieux après quand même. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cet entretien d'embauche? Ça peut aider. Il ne faut pas du tout stresser. Car quand on ne stresse pas, on bégaye pas, rien. Et ça aide. T'avais l'impression d'être dans une conversation, quoi. Ouais. Ils t'ont mis à l'aise. Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu es fière de toi? Oui. Ok. C'était un défi pour toi ou juste un exercice? Non, un défi de réussir, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ok. Et deux semaines après avoir signé un CDD de travail, nous réfléchissions à un nom d'entreprise.
Et c'est là que l'idée de Tree Wonder nous est venue. Tree en breton c'est 3. 3 pour Liam, nous et vous, nos futurs clients. Tree en anglais c'est aussi arbre, car tous nos produits sont faits à base de bois. Était un calendrier de l'Avent avec des produits locaux. 100 calendriers, 2400 produits locaux, 10 golden tickets, 2500 euros de chiffre d'affaires, 1500 euros bénéfices, fabriqués en un mois et vendus en 10 minutes. Nos grands sapins ont été fabriqués dans un bâtiment entièrement décarbonisé, le seul en Bretagne. Savez-vous que nous sommes considérés comme des commerçants à Pluscat ? Eh oui, nous appartenons à Pluscat Action. Tout cela a été vendu au marché de Noël de Plouzévédé. Les ventes de Noël nous ont rapporté un chiffre d'affaires de 8000 euros, dont 5000 euros de bénéfices. Car on peut tous être des héros du quotidien. Auprès de nos clients. Et suite aux résultats, les produits que nous avons retenus sont les panneaux de direction et les bougeoirs. Les clients nous demandent d'inscrire ce qu'ils veulent dessus. Ces produits sont également fabriqués en boîte palette recyclée. Et les bougies nous proviennent tout droit de notre partenaire, la Mielerie de Pluscat. Et le packaging, c'est très simple. C'est un vieux Storban que nous avons su recycler. Plutôt pas mal pour des débutants, n'est-ce pas? Vous l'avez compris,
On n'a que 13, 14, 15 ou 16 ans, mais nous sommes déterminés à donner du sens à ce qu'on nous apprend à l'école. Et puis, Liam a besoin de nous, Liam a besoin de vous. Rewinder, la vraie explorer.